you say yes, you tune to the big song called Ride the Vibe Song. Yeah, man, Ride the Vibe Song for myself, I don't know. Make them know. To the graveyard they go. Ride the vibes, kill them right now. Ride the Vibe Sound and the champion sound, the killing machine from France, Paris City, Tour City, and the countryside. Only if I come by, you'll get the sound tonight. Yeah, it's all about BLB Radio. I'm in a Ride the Vibe Sound, Romain Virgo represent every time I see it. Ride the Vibe, thump it, and the place get dark and cloudy. Well, this is Ride the Vibes. No, every Sunday on BLB Radio 6 to 8 p.m. hosted by Ride the Vibe Sound, of the maddest, baddest radio show ever. Let them know. Ok, donc tu es bien à l'antenne. BLB Radio, make them know. Ce soir, nous recevons dans notre studio l'original artist Max Livio. Max, comment vas-tu? Ça va et vous les gars, tranquille? Bah écoute, nous ça va. Très ravi de te recevoir ce soir. La dernière fois qu'on t'avait vu, c'était au Festival des Vieilles Charrues. Non, c'était si, Printemps de Bourges. Printemps de Bourges. Où on avait eu un petit problème technique. Tu peux monter un peu le micro de Max, s'il te plaît, c'est cool. Donc, ouais, on t'avait vu aux Vieilles Charrues. Le Printemps de Bourges. Je crois que j'ai envie de jouer aux Vieilles Charrues, ça doit être pour ça. Donc, ouais, on t'avait vu au Printemps de Bourges. On avait pris franchement une petite claque, on s'attendait pas du tout à ça. Moi, je ne te connaissais pas. Et on a vu ça en live, t'es un showman. Donc, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore? Eh ben, je m'appelle toujours Max Livio, originaire d'Orléans et originaire de la région centre, artiste, chanteur, et puis voilà, un deuxième album qui devrait arriver au mois de mai, et puis souvent sur Paname aussi, Okay. La petite équipe. Donc d'ailleurs, tu nous dis donc un second album qui devrait arriver bientôt, tu as sorti sur les bancs de l'école en 2012. 2012, c'est ça. C'est ça, qui a rencontré quand même un franc succès, notamment en live, tu as pu tourner un petit peu partout en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, cet album, comment il s'est fait, dans quelles conditions? Eh ben c'est pas comme souvent, il faut qu'il y ait une galette, il faut qu'il y ait un disque, il faut qu'il y ait quelque chose pour pouvoir exister. Mm-hmm. Et ça a vraiment été un tremplin pour moi, ce premier disque qui s'appelle Sur les bancs de l'école, qui est sorti le 25 mai 2012 chez Musicast. Et puis donc le but pour moi, enfin c'est tout le but quand on est en développement et qu'on n'est pas forcément connu, c'est sortir un disque pour pouvoir aller le défendre sur scène. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'année dernière. Et puis là, un nouvel album qui arrive et puis on recommence, voilà, aller sur les routes, présenter tout ça. Ok, donc cet album, il y a beaucoup d'influences, notamment reggae dessus, mais t'es quand même assez éclectique. J'ai appris que tu avais commencé dans le hip-hop. Tu m'as parlé de Eddie, c'est justement, ça, ouais, qu'on avait reçu. C'est clair. Donc dans les années 90, t'as fait partie de Calypso Crew et t'es arrivé en 2007 avec un band. Columbus Dub Band. Ouais. Voilà, exactement. Donc est-ce que le hip-hop, le hip-hop, de toute façon, ça fait. Lorsqu'on est dehors, qu'on est à l'extérieur, qu'on voyage beaucoup, qu'on est dans la rue, ça fait partie de notre quotidien. Et j'ai commencé au Bahut comme des milliers de jeunes à essayer de. C'est clair. De poser ma conscience, prendre une feuille blanche et puis gratter ce que j'avais sur le cœur. Donc après le soir, on retrouve un selecta, on retrouve un DJ, le double cassette, clac, clac, play record. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque des cassettes, quoi. Et puis 2007. 2007, après, j'ai intégré le collectif, le groupe Columbus Dub Band. Et je chantais déjà depuis un moment. Et c'était une manière pour moi d'assumer officiellement le fait de passer à la mélodie et de chanter. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te poser. Parce que passer du rap au reggae, c'est quand même un petit gap. Même si aujourd'hui, avec le dancehall, l'émergence du dancehall, on retrouve quand même des connotations rap, dancehall. C'est un peu. Il y a des choses qui se ressemblent. Toi, qu'est-ce qui t'a amené au reggae? T'as certainement, quand même, dans ton enfance, écouté des artistes particuliers qui t'ont quand même donné une vibes reggae, quoi. Tu peux pas tomber du reggae comme ça du jour au lendemain. Bah, je suis un puriste de musique avant tout. Ça veut dire que dès qu'une mélodie arrive à me faire relever les poils du bras, c'est que c'est gagné, que ça soit de la soul, que ça soit du hip-hop, que ça soit du reggae. Moi, je suis un peu le fruit de la double culture. Ma mère est blanche, mon père est noir. Yes. Et j'ai une double culture anti-S, donc pour moi c'était normal que j'arrive par la musique caribéenne et par la musique qu'est le reggae. Et puis force est de constater aussi qu'il y a un peu une part de rébellion dans le hip-hop qui se retrouve aussi dans le reggae, à part qu'il y a un côté un peu plus plaintif d'un côté et je pense un côté plus pacifique de l'autre. Yes. Mais le message pour moi se ressemble. D'accord, ok. C'est une vision... Une vision très honnête. Du dimanche. Je trouve. C'est une vision honnête. Effectivement, je trouve ça bien dit. Une vision plaintive et une vision un petit peu plus pacifiste, effectivement. Donc 2012, sur les bancs de l'école,
beaucoup d'invités sur, sur cet album. Il y a, un panel d'artistes dessus. Tu n'es pas tout seul. T'es avec Easy Kanenga qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Il y a Lord Bitume. Il y a des instrus faites par, par Boston Beam. Il y a TNT, Manu Digital aussi. Enfin, beaucoup d'artistes. Comment ça s'est passé un petit peu ces connexions avec ces, avec tout ce monde, tout ce beau monde, j'ai envie de dire. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt la chance d'être bien entouré. Ça a été des rencontres sur la route, donc vraiment des rencontres humaines, dans une loge, après un concert. Et puis j'ai aussi été rencontrer des producteurs pour faire écouter un petit peu ce que je faisais. Je pense que c'est une chance quand on est en solo, et donc une difficulté quand on est en groupe, de pouvoir avancer sans avoir à toujours investir. La musique, faut quand même le rappeler aux gens que ça coûte de l'argent, et être en autoproduction, ça veut dire qu'il faut s'engager, faut être dans un studio, et puis pour que le son sonne, parfois faut passer par des mecs qui connaissent le son, qui peuvent t'aider. Donc ça a été le fruit de rencontres, et puis j'ai eu pareil des bandes différents. Au début c'est les potes, et puis après ils ont d'autres choses à faire dans la vie que de soutenir, et puis après c'est des mecs au fur et à mesure qui jouent un peu plus, mais je recherche vraiment des codes reggae propres. Des années 60 à aujourd'hui, pour moi y mettre mon univers qui est peut-être un peu plus large et plus ouvert. Ouais, j'ai lu que tu avais quand même, enfin dans tes influences reggae, j'ai lu LKJ, donc Lynton Cody Johnson, le messager exactement, le slam jamaïcain par excellence. Moi, mon père écoutait ça, c'est pour ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ah, c'est effectivement, quand t'écoutes l'album, c'est de l'écriture, c'est vraiment un travail d'écriture, c'est pas seulement que de la démago, quoi que ce soit. Il y a vraiment un travail d'écriture, il y a des sujets profonds. T'abordes des sujets parfois un petit peu durs, mais de façon toujours assez positive. T'as une certaine façon d'approcher les messages un petit peu parfois difficiles. C'est très 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 touchant. Je pense notamment à Euthanasie et moi, ces tunes-là qui sont... qui sont pas évidentes. Il y a plein de sujets, t'es très éclectique, et ça c'est quelque chose que nous chez McDemno on aime beaucoup, parce qu'on estime pas que tu sois toujours un artiste catalogué ou quoi que ce soit. T'as vraiment un univers à toi. On a pu le découvrir en live, et le live, franchement, Max Livio à voir en live, je vous le dis, ça vaut le coup. Il nous a fait un show, en tout cas je me rappelle, c'était avec TNT, c'était assez charmé. Ce que je te propose là pour l'instant, c'est d'écouter un premier tune de ton album Sur les bancs. On passe laquelle? Donc, on peut se mettre Le combat des acharnés. Comme ça, j'ai envie de faire une petite case dédiée à Boston Beam. Yes. Et puis à Maxo, artiste originaire de Mâcon. Ok. Donc Le combat des acharnés, c'est disponible sur Les bancs de l'école, le premier album. Parce que tu avais le manifeste avant aussi. Premier disque, quoi, la petite galette, la petite galette. A sous la veste, et puis qu'on donne au programmateur pour pouvoir avoir la chance de jouer un jour. Donc ça, tu considères ça comme le premier vrai album officiel de Max Livio. Donc on s'écoute tout de suite un premier titre, Le combat des acharnés. Les mêmes envies qui nous poussent, mais pas la même chance pour tous. Et
with them with no vanity. Look at your brother with no charity. Walk with them for humanity. I miss a give an happy hand to your brother. I give a morning smile to your lover. I miss a give a shining eyes to your sister. Be a happy man, not a rubber. Walk with dignity. Saya, Max Livio sur les bancs de l'école, disponible dans tous les bons fournisseurs à la Fnac, iTunes, j'imagine aussi, partout. Est-ce que tu veux nous parler aussi un peu de ton actualité qui arrive ? Eh ben, un nouvel album qui arrive, qui devrait arriver au mois de mai normalement, mai prochain. Yes. Un album qui s'appelle La Voix est libre. Ok. Et puis voilà, un nouveau projet, donc je suis bien content, qui devrait sortir encore chez Musicast printemps prochain, quoi. Ok, tu restes loyal à Musicast. Ouais, carrément loyal à la Musica, c'est ça, tous ceux qui aiment bien bosser sérieusement. Ça fait plaisir, parce qu'il y en a plein, tu vois des artistes, ils sortent des tunes sur tel label, mais au final, si tu veux quelque chose de qualité, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes également. Et c'est ce que tu as su faire, parce que sur les bancs de l'école, en tout cas, c'est un album qui vaut vraiment le coup, une bonne vibes, un vrai chanteur, Max Livio. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes prochaines actualités ? Donc, le nouvel album, où est-ce qu'on peut te retrouver en concert ? Nouvel album, et puis pareil, on reprend la route des concerts, on s'active, on n'attend pas. On sera le 15 février avec Gapi Ranx et Give au Brise-Glace à Annecy. Big up à Gapi, un pote. Big up à Give. On sera aussi le 22 février à l'Elixir à Blois. Ok. À Troyes. Joue à Paris le 8 mars avec Sœur Samuel à la Dame de Canton. Yes. On sera backé par le Moon Band. Okay. Voilà pour les trois premières dates, et puis tout le long jusqu'au mois de septembre, les festoches au beau jour, et puis voilà quoi. Les festivals, toujours pour moi les meilleures scènes, les festivals, un public qui vient pour la musique, uniquement pour la musique. C'est vrai qu'entre les festivals et les salles de concert, je trouve que des fois c'est deux ambiances différentes. Carrément. Entre une salle de 400-500 places et puis un soleil qui tape et l'ouverture. Je te jure, en festival les gens sont, je sais pas, ils viennent faire la fête, ils viennent passer du bon temps. En soirée, des fois, t'as l'impression qu'ils viennent un peu juger. Ils ont leur manteau, ils ont encore l'écharpe. Et... le temps qu'ils se mettent dans l'ambiance, parfois, c'est un petit peu long, c'est vrai. Donc, concert, donc on l'a dit, le 15 février prochain, c'est le premier concert de la tournée. Donc, on a commencé le 11 juin à Tigy, on a joué le 24 janvier avec Izzy Kenenga. Ouais, exactement, à Chessy. Il y a deux semaines de cela, et puis voilà, là, il y a une quinzaine de dates jusqu'à septembre, j'espère qu'on aura un peu plus encore. Ok, d'accord. Et tu peux nous dire des petits trucs sur ce nouvel album, des combinaisons. Nouvel album, je bosse toujours avec TNT, c'est d'ailleurs eux qui m'accompagnent en acoustique et puis le Home Grand en backing band. Et puis voilà, vous pouvez retrouver des producteurs comme Oneness Records, Moritz, le bassiste de Dubbing, Greenyard Records, le batteur, Zigo, TNT, Cubix. L'ami Cubix qui a aussi posé un redeem. Coco Roots, et puis en featuring, moins de collaborations sur cet album, mais il y a quand même Lamina Tijan qui est venue m'épauler, Kimi Claire, une chanteuse,
Et puis Lidiop, artiste sénégalais aussi. Ok. Et cet album donc sera un peu sur les mêmes, sur la même lancée que celui-ci. Alors là, contrairement au premier album où je suis un peu parti un peu n'importe où, j'essaie de, de rendre un peu plus mature ma musique. Et l'album de la maturité, voilà, comme on dit. C'est vraiment pour moi un album pour le live. Yes. Avec une grosse dominance reggae, reggae soul. Yes. Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance de te voir en live. En live, c'est quelque chose. D'ailleurs, en live, tu dois éprouver certaines sensations. Qu'est-ce que tu kiffes vraiment dans le live? C'est l'interactivité avec le public. C'est l'interactivité avec le public, c'est ça, ou essayer de rendre interactif quelque chose. Yes. C'est-à-dire que lorsque tu joues sur un festival où il y a 400-500 personnes, t'as l'adrénaline obligatoire, mais il y a une interactivité naturelle qui doit monter et monter et monter. Alors que quand tu joues dans un petit bar, un petit coin intimiste en acoustique et que t'as 30 pélos qui te regardent, où tu dissimules, t'arrives bien à regarder chaque regard, le but c'est d'aller les chercher. Yes. C'est d'aller les chercher. Ouais. Ok, Max Ivio, la tête chercheuse. Écoute, bah on va s'écouter un autre extrait. Donc là, là tu nous as rapporté un truc un petit peu spécial, c'est un dub plate. C'est du dub, c'est une version dub. Ah, c'est une dub. C'est une version dub, ok. L'album il a été mixé par Fab Wise au Wise yes. Studio. Big up à eux. Et le morceau s'appelle Pas de place pour le traître, c'est le dub de l'album. Ok, c'est le dub de l'album. Et c'est la version dub de l'album. Ok, so Kenny, c'est parti. Le conflit devient brutal. Pour autant les buildings fleurissent nos capitales pour conforter leurs bénéfices. Et toi tu t'appauvris, et toi tu résistes. Mais contre qui? Toi que je vois marcher dans les mauvaises manifs. Le monde part en couille hélas. L'atmosphère devient pesante, mais ça ne compte pas. Nos dirigeants préfèrent attendre que la foule s'amasse, que les cris de haine surgissent dans l'espace, dans notre espace. Peu de place pour les traîtres, peu de place pour les maîtres. Je compte pas sur eux pour m'aider à avancer. Leurs titres et leurs trophées, ils peuvent se les garder. Je ne serai jamais le mouton d'un troupeau. Non, pas de place pour les traîtres, peu de place pour les maîtres. À penser, je compte pas sur eux pour m'aider à avancer. Leurs titres et leurs trophées, ils peuvent se les garder. Je ne serai jamais le mouton d'un troupeau égaré. Je compte pas sur eux pour m'aider à avancer. Leurs titres et leurs trophées, ils peuvent se les garder. Je ne serai jamais le mouton d'un troupeau. Non, pas de place pour les traîtres, peu de place pour les maîtres. À penser, je compte pas sur eux pour m'aider à avancer. Leurs titres et leurs trophées, ils peuvent se les garder. Je ne serai jamais le mouton d'un troupeau égaré. Pour tous les amateurs de roots, de dub,
Cette tune était pour vous, Max Livio, comme je te l'ai dit. Il est très éclectique, tu retrouves plusieurs styles différents dans son album. Sur les bancs de l'école, il y a des combinaisons, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Lord Bitume, Diafrix, Maxo, Easy Kenenga, Impose ton style. Il y a énormément de combinaisons. C'est un album de qualité que vous pouvez retrouver dans tous les bons disquaires, sur iTunes, sur Internet. Bref, partout où tu peux télécharger et écouter de la bonne musique. So, Max Livio, un dernier petit message que tu aurais éventuellement à dire pour tous tes fans, tous les jeunes youths qui veulent commencer. Est-ce que tu as peut-être un truc à leur dire, un conseil ? Un conseil, écoutez Make Them Know. pas dormir, pas dodo le dimanche. C'est ça. Pas joujou, pas dodo le dimanche, 18h-20h. Donc, ok. Bon, bah écoute, Max Livio, merci d'être venu. Ça, c'était merci la première vous, partie, l'interview. On se rejoint dans une petite poignée de secondes. Le temps de jouer.